Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre bonne vieille PS3. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur une PS3 d'ailleurs. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau jeu, entre guillemets. Donc c'est un petit peu une exclusivité sur ma chaîne. J'ai été faire un petit tour dans le store sur la PlayStation 3 parce que malheureusement le lecteur CD, la lentille de la PS3 Blu-ray est explosée, elle est complètement grillée, elle a dû péter à force de jouer comme un gros salopard. Surtout avec Black Ops 2 et tout, ça n'a pas dû lui arranger la santé, enfin bref. Donc voilà, on se retrouve sur ce petit free-to-play, donc Dust 514. Donc il est sorti sur PC le 14 mai 2013, il vient de sortir il y a quelques semaines sur PS3, il a été développé sur PS3. Sur PC et adapté sur PS3, c'est pour ça que vous allez pouvoir tout de suite constater que en fait on peut. Alors attendez, je vais vous montrer, c'était là je crois. Voilà, on peut y jouer à la manette et au clavier, ce qui est absolument fabuleux. Donc vous pouvez connecter n'importe quel type de clavier et de souris, donc pas Bluetooth je pense par contre sur la PS3, ça m'étonnerait. Enfin bref, donc c'est un jeu FPS, même si vous pouvez voir que là on a la troisième personne, mais on peut se déplacer en fait dans cette espèce de petit cockpit. Où on peut faire pas mal de paramétrage pour améliorer ses armes, pour améliorer ses donc ses combinaisons. Vous pouvez voir que là je me suis fait une petite combinaison sympathique qui est plutôt jolie je trouve, et franchement c'est pas dégueulasse. Donc on peut aussi améliorer ses véhicules, etc. Voilà, donc ce qui est vraiment cool sur ce jeu, c'est que c'est vraiment un jeu complet. Hormis le gros point noir de ce jeu, je pense que c'est les graphismes qui sont absolument... Franchement, bon, ça passe, mais voilà, ça, sur PS4, vous mettez ça, ou sur Xbox One, on vomit dessus, quoi, ça sera un vieux jeu pourri. Mais encore sur PS3, voilà, comme voilà, la PS3 est pas aussi puissante que les nouvelles consoles, logique. On obtient quand même une qualité assez moindre, un peu à la... Allez, sans mentir, Battlefield 3 à peu près, une qualité à peu près à la Battlefield 3 sur PS3, qui est pas mal de près, mais dès qu'on tape un peu de loin, à peut-être 100 mètres dans le jeu... On voit vraiment beaucoup d'aliasing, du clipping, c'est vraiment des choses qui arrivent malheureusement. Mais bon, c'est un jeu vraiment fun, qui se joue exclusivement je crois en multijoueur, je ne suis pas sûr. Donc je ne l'ai pas testé encore énormément, hein, ça je vous le dis directement. J'ai fait une vingtaine de games dessus je crois, une dizaine, je ne sais pas, donc, très peu. C'est un pote Florian qui m'en a parlé, enfin j'en ai parlé vaguement, il a dit qu'il n'avait pas trop accroché. Florian, bon, lui, il n'aime pas trop les jeux trop futuristes, mais bon, voilà quoi, hein, c'est normal, c'est Florian, lui, il veut sa petite MSMC sur Black Ops 2 et il est content. Il a peut-être pas tort, hein, parce que quand c'est trop futuriste, c'est vrai que c'est moche. Donc là, on a un mélange de Battlefield et de Crysis, donc c'est comme ça, cette espèce de chose un peu bizarre. Donc hop, donc là, on fait carré, combat immédiat. Ce qui est cool, c'est que c'est super fluide, par contre, comparé à d'autres jeux. Oula, j'ai absolument rien touché, mais bon. On va voir. On lance une game, on est des fous. Il y a pas mal d'armes aussi, des classes. Bon, on est sur quelque chose de basique, hein, comme sur n'importe quel FPS. On a une classe bourrin avec une grosse batteuse, une classe sniper, une classe lance-roquette, une classe fusil d'assaut. Voilà, bon, c'est classique, j'ai envie de dire. Bon, je vais baisser le son de mon petit casque. Je suis en train de m'exploser les oreilles, bordel. Voilà. Hop, on va spawn là, je pense. Attendez. J'ai pris quoi comme... voilà, bon, ça c'est bien. Donc vous pouvez voir en fait que sur le côté là, à gauche, on a pas mal d'informations. Donc ça c'est une map que je connais, je crois. Je ne suis pas sûr, on va voir. De toute façon, je crois que c'est tout un peu... à peu près toutes les mêmes maps. Hein. Donc voilà, nous sommes dans le jeu. Vous pouvez voir que la qualité est un peu... mauvaise hein, quand même. Ça c'est peut-être un des gros défauts du jeu, c'est sa qualité graphique qui n'est pas optimale. Je pense que la PS3 peut largement pousser beaucoup plus loin ses capacités graphiques. Dans ses ressources, il y a... Putain, merde, je suis pas sur Call of. Hein. Excusez-moi, les touches sont pas exactement pareilles que sur Code. Donc, voilà. Donc là, on a une espèce de G36C sympathique, mais bon, sans plus. Quoi. Hop, et une petite arme secondaire sympa aussi. Hop, bon, alors. Là, il va falloir se rendre au point A que vous pouvez voir là. Et en fait, faire péter, je crois, un des vaisseaux, donc leur vaisseau qui est là-bas. Le nôtre est ici.
Voilà, donc c'est assez futuriste. On a un petit mélange de Destiny aussi, ça c'est pas faux. C'est un espèce de Crysis et Destiny en même temps. Et Battlefield, vous pouvez voir qu'il y a une grosse inspiration de Battlefield, au niveau des couleurs, etc. De la fille d'en haut à droite. C'est vraiment typiquement Battlefield 3, surtout. Très condensé Battlefield 3. Donc on va essayer de faire une partie correcte, parce que j'ai fait que 4 bonnes parties sur une vingtaine. Super dur, il y a des mecs qui sont vraiment très forts, ils ont dû appris un gros niveau. Oh bordel. Je m'explique comment on peut prendre des hits. Bon bref. Alors attends, là souvent il y a du monde là, c'est souvent le middle. Mais bon, je suis pas là, il joue un peu n'importe. Tu m'expliques que je me prends des hits, bordel. Ok, des mecs en bas. Tu fermes ta gueule toi, deux secondes, ça là. Ok, d'accord, bon, je peux pas. Je vais crever comme une merde. Bon, ça sert à rien d'insister de façon de se faire poum. Ah non, c'est attention. Ah, j'aime pas du tout en fait quand ça joue comme ça là. Ça joue combat de loin, moi je suis plutôt SMG sur Call of, donc qu'est-ce que tu veux penser. Bon. On va temporiser un peu, pour ne pas dire camper. Le son est plutôt bon. Excusez-moi si je renifle un peu, je vais me complètement bouché. Donc vous me direz aussi au niveau de la qualité du micro ce que vous en pensez. Bordel, saute. Q1, bon, vous voyez que déjà la santé, c'est plus du Battlefield que du Call of. Ah! Donc on peut faire aussi des coups de mêlée, voilà, comme ça. On est sur un FPS, c'est normal. On va essayer d'avancer sur les lignes ennemies, mais là on a vraiment pas la bonne position, parce que là, on est complètement en train de se faire bourriner le cul comme des merdes. Ah, je vais crever là. Sûr. Quoique. Franchement, c'est là qu'on se dit, j'étais pas d'accord avec ça, mais putain, merci. Les FPS se jouent vraiment à la manette, à la souris, quoi. Clavier souris, mais c'est... Vas-y, je te couvre, je couvre ton bac, t'inquiète. C'est bon, je suis avec toi. Crève! 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 Mais vous pouvez voir déjà que niveau santé, c'est vraiment violent. Faut vraiment mettre beaucoup de balles, c'est pas un call-off. C'est pour ça que ça peut être un petit peu... C'était celui-là que j'ai mis. Voilà. Ça peut être un peu trompeur. Mais sinon... On peut s'amuser, je pense, dessus. Faut juste s'y connaître un petit peu, s'initier un peu. Sinon, on peut vraiment s'amuser dessus. Je vais juste finir la game. On va pas faire 36 games, on va voir comment ça évolue. Parce que c'est vraiment super compliqué de faire des gros rushs, parce que avec la santé, c'est la différence. À l'inverse de Ghost, là, on a une santé qui est trop énorme. Du coup, c'est un jeu qui se joue en équipe à la Battlefield. Et qui permet. J'ai du mal avec cette manette PS3. J'ai pas fait un seul kill. On avait deux là. Alors, au revoir. Essayez de faire quelque chose de propre. Ok, vous voyez que ça arrive de là-bas donc. Heureusement qu'il y a l'aide à la visée, que sinon on serait pouné comme des merdes. Bon, on va essayer de cover ici parce que là je pense que ça va arriver. Logiquement. Ah. Même, au niveau de la fluidité, on voit que c'est pas... voilà, ça manque un petit peu de punch. Mais je pense que les développeurs voilà, ont testé ça. Sur PC, il tourne beaucoup mieux. J'ai testé sur PC donc tout à l'heure. Je l'ai installé, etc. Comme c'est un free to play. Et franchement, déjà, il est beaucoup plus... Beaucoup... Je sais pas comment dire. Oh putain, la brochette, là. Putain, il y a un sniper, mais j'ose pas le prendre parce que c'est de la pure merde. Faut mettre 3 balles pour tuer quelqu'un au sniper. Donc, on sent que le saut. Allez hop, c'est là-bas. Donc on va voir si on peut faire des vidéos en groupe pour tester un peu plus en détail ce jeu.
Meurs, mais bute-le. Oh putain, il est trop bon. Ah, sans le décès. Recharge, photo. Allez, t'enflamme pas. Ok. Tirer dans le haut du corps, ça fait plus de dégâts. Voilà, crève, il y en a un autre. Casse la donner un peu avec. Ah, trop de monde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un de salope. Bon, je vais regarder si j'ai pas d'autres trucs. Fusil à rail d'assaut, non, fusil à pompe, j'ai jamais testé. Je crois que c'est une grosse arme assez bizarre. On va tester. Je crois que c'est peut-être moyen de faire un truc au bon. Je crois que c'est un gros truc machin, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas très bon, mais bon. Voilà, vous pouvez voir que les armes sont assez futuristes, hein. Logique. Je vais te faire enculer. Qu'est-ce qui me tire dessus là? Ah putain, c'est un vaisseau, je crois. Ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça arrive partout, mec. Qu'est-ce que tu fais dans notre spawn, espèce de... Ah, j'arrive à rager sur un jeu comme ça. Et ouais. Alors, on va changer directement ça, hein, c'est pourri. On va reprendre... le fusil d'assaut. Peut-être qu'après, je testerai vite fait le snipe pour vous, mais... Je l'ai testé et franchement, c'est pas top. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas un morse ni une intervention. Un sniper, il faut mettre 3 balles pour tuer. Là on voit vraiment le clipping, c'est vraiment moche. Alors que le jeu se passe normal, donc là hop, on fait ça. Et logiquement, on fait ça. Réducteur d'inertie apparemment, donc c'est pas si ça existe. On fait des grands sauts quand même. C'est pas des double jumps à la W. Hein. Alors attendez, j'ai juste pressé peut-être. Voilà le son de ma télé, je pense que vous avez dû entendre un écho. Putain, il peut là. Bon, on va essayer de monter. On va pas monter avec toi, moi, je peux conduire. Pas une voiture, wesh. Oui, pas une voiture. Putain, salope. Bon, pas une voiture. Les voitures, tout à l'heure, j'en ai testé une, elle va très vite. Putain, il y a une voiture ici, là. Putain, c'est super chaud, franchement, à la manette. Non, pas un jeu qui est optimisé. Et lui, il m'a délit ce bâtard. Je vois du tout à quoi ça sert. Merde. Non, grenade, c'est là. Vite. Putain, le shoot d'une courgette, quoi. Passe ta tête, je sais que tu as passé. Putain, c'est super chaud devant. On va essayer d'aller le cueillir, le petit enflure. Bah, je crois qu'il est noté. On a eu l'assistance. Donc, on peut pas ramasser d'armes par contre sur les cadavres. Oh, bordel. Putain, pour qu'il tire dessus, le petit. On aura peut-être une bonne vie. C'est le gros plan de. Ah, ils ont pris toute la passerelle là, donc. C'est un peu mort. Là bas, ça doit être leur spawn. Bon, on va essayer de s'introduire en mode discretos. Dommage qu'on n'a pas de silencieux. Voilà, viens. Ça va arriver par la gauche, on parie. Toi. Ah mais regarde-le, cette espèce de merde là, dans son gros truc de PD. Oh là là. Mais il faut avouer que je suis pas
super fort aussi, mais voilà, faut pas le dire. Je vais vous montrer quand même le snipe, mais vous allez voir, c'est vraiment pas top. Hein. Voilà. C'est un jeu que je conseille aux joueurs. Oula, attends, qu'est-ce que tu vas faire un coup de scope avec ? Putain, attends, voilà, il faut se mettre apparemment accroupi. Allez, je mets une balle, ça lui enlève une, la moitié de. Un petit peu aux morses, vaguement, mais. Tu prends tes balles ? Je pense qu'on va aller le cueillir. Mais laisse-le moi ! Putain. Je vais aller chercher. Voilà, merci, au revoir. Mais Grégory, t'es un loup, tu critiques les mecs sur BO2 qui utilisent le P23R et dans un jeu autre que BO2, tu fais pareil. Ah, viens là toi. Enculé, putain. Putain, je suis dessus. La hitbox des ennemis est vraiment très petite. Mec, t'es dessus aussi. Putain. Je suis sûr et certain que tu vois une chose pas. Merde, si je tire à côté, tiens, crève. C'est de merde. C'est chaud quand même, franchement. Faudrait que... viens là, allez, je sais que tu vas venir. Je sais pas, il veut régénérer sa santé, je pense. Non, 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 laisse-moi vivre, laisse-moi vivre. Oh, il y avait combien de balles ce culé là? Mec, j'ai entendu tirer, il a pas recherché une fois quoi. Je me suis pris full hit. C'est dégueulasse. Bon. On va essayer de jouer un peu au snipe. Donc je pense que ça peut durer très longtemps par contre. Ce mode de jeu, quand c'est assez équilibré. C'est comme Battlefield, hein, clairement. Enfin, c'est un allié ça. Mais franchement, ça détend. Surtout que moi, ça fait assez. Bordel de merde. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas joué à Call of. En ce moment, je tourne un peu sur Minecraft et Dying Light. Sur PC, bien évidemment, hein, tout ça sur PC. Et j'ai la chance d'avoir un bon PC qui fait tourner Dying Light en full, donc... Ouais, j'ai pas d'idée. Par contre, c'est con parce qu'on n'a pas le hitmarker quand on... Quand on tire. On va y aller avec le petit flingue, là. Je vais jouer au snipe dans ces petits trucs. Ça va être chaud. Sécurise la zone. Ok. On va tenter de se mettre là-haut, là. On va de jouer ses yeux. Putain, putain, putain. C'est hyper, hyper chaud quand même. Donc à propos, pour changer un peu de sujet, là, je demande que je trouve. Petit village. Non, 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 c'est la mort, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Putain! Ça me pète les couilles, c'est le mec dans son truc là. Dans son espèce de toile de salon. Je vais essayer d'aller dedans. D'ailleurs, il y a l'air d'avoir des trucs. C'est vraiment puissant, hein. Je me tue en deux temps. Bon, donc oui, pour revenir à Dying Light. Non, attendez-moi! 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 Ah non, j'ai foiré carré, putain. Je crois que c'était rond. Bref. Tant pis. On est à pied comme des merdes. Comme une merde. Bon. Je suis coupé par soit un objet. Soit par un adversaire qui pète les couilles, soit par un allié qui pète les couilles. Ah, ben ça va. Bordel! Bon, ça fait 4 fois que je dis bon. Hein. Oui, concernant Dying Light, donc, c'est un jeu vraiment que j'adore. Je prends vraiment dessus. Sur la secondaire, la secondaire. Meurs, s'il te plaît. Ah, mais il y a l'autre. L'autre fils de poulpe là, pour rester poli dans sa cache.
Ouais, c'est le problème, c'est que voilà, ils tiennent la position là où je viens de mourir. Et du coup là, c'est parce que je pense qu'ils jouent pas l'objectif, mais sinon ils pourraient vraiment nous mettre la misère. Ah bah ouais. Logique. On va rester au stade, vous savez quoi. Et si on remeurt, et bah on arrête. Ok. De toute façon, on va faire une vidéo d'un peu moins de 20 minutes. Un peu moins de 30 minutes, pardon. Il y a encore quelques petits trucs à vous montrer pour les menus. Mais pour un free-to-play, franchement, ça vaut le coup. Ça vous prend quoi, 4 petits gigas. Qui vous prend quelques gigas. Ça vous prend 4 petits gigas. Bah, de toute façon, on a perdu. Voilà, c'était sûr. Les mecs en face étaient vraiment pas mauvais. Donc voyez le MCC pardon, c'est cette espèce de vaisseau mère qu'il faut détruire. Donc là c'est eux qui ont détruit une autre, donc on a perdu. Mais sinon c'est pas mal. Franchement, même graphiquement, même si voilà on est sur une vieille console maintenant, qui a maintenant 9 ans. Attends. 7 ans, pardon, 7 ans, ça fait 7 ans que la console PS3 est sortie, donc voilà, c'est toujours le même processeur, toujours la même carte graphique, etc. Enfin, entre guillemets, hein. Toujours la même carte mère, les mêmes composants à l'intérieur, pour ça qu'elle fait un peu la gueule. Mais sinon, voilà, graphiquement, ça tourne plutôt bien, ça va, on va pas s'en plaindre non plus, ça va, c'est correct. Donc vous pouvez voir qu'ici, on peut paramétrer en fait ces véhicules. Hop, clique là-dessus, toi, s'il te plaît. Voilà, donc là moi j'ai débloqué que cette voiture là pour l'instant, donc c'est celle qui va assez vite, mais bon ça suffit hein, pour moi, je vais pas y jouer 30 ans à ce jeu, mais c'est pas mal, ça divertit un petit peu, ça change un peu de Call of, c'est un peu à la Destiny, sans trop pomper l'idée quoi, surtout que ce jeu a été développé avant Destiny, il est sorti après forcément, il a été développé bien avant, mais... On a quand même une grosse inspiration de Battlefield, ça c'est sûr, vous pouvez voir, ça ressemble vraiment beaucoup, beaucoup à Battlefield 3. Mais franchement, c'est pas mal, il y a un petit truc. Je vais essayer de vous faire quelques petites vidéos dessus avec par exemple Florian et Zarkoz, donc, qui joue encore un peu à la PS3, et aussi vous proposer du Minecraft et du Dying Light, puisque ce sont deux jeux que j'apprécie beaucoup maintenant. J'ai acquéri Minecraft il n'y a pas si longtemps que ça, c'est GoPro qui m'a un peu obligé à l'acheter, mais c'est pas un jeu vraiment que j'adore, mais quand on y joue en pote, enfin entre potes, par exemple en UHC, ça peut prendre vraiment tout son sens, c'est vraiment drôle, c'est pas mal, c'est un peu aventure, etc. Donc ça me plaît. Donc après, au niveau de Dying Light, bon, GoPro malheureusement pourra pas faire tourner Dying Light sur son petit PC, donc je suis obligé de te faire quelques vidéos en solo malheureusement, mais bon, voilà, c'est quand même un bon jeu, il y a moyen de s'éclater, j'en suis déjà à 22% de progression alors que je l'ai téléchargé avant-hier, avant-hier soir, donc c'est vrai que j'y joue beaucoup, c'est vraiment pas mal, moi j'aime bien. C'est une putain d'ambiance zombie, etc. Donc pour revenir à Dust 514, c'est un jeu que je vous conseille, il est disponible sur PS3 pour 0€, je vous rappelle c'est un free-to-play. Il y a aussi un site internet en alpha qui est ouvert depuis quelques temps maintenant, et qui permet en fait de voter un peu le jeu, voter à propos du jeu, et essayer de l'améliorer en fait avec les développeurs, puisque c'est pas une grosse boîte, hein, la boîte s'appelle CCP, donc ils ont collaboré rapidement avec Sony pour que Sony puisse avoir le droit de diffuser ça sur sa console. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi comme d'habitude je passe de très très bons moments en votre compagnie, vous pouvez voir que la qualité du micro est différente de d'habitude, désolé, mais j'utilise un petit micro Olympus, un micro cravate, pardon, pas cravate, un micro, comment on appelle ça, les micros d'interview en fait, voilà, c'est ce que j'utiliserai pour la Paris Games Week, etc. Excusez-moi, je fais du bruit avec ma chaise. Et donc du coup, moi je vous dis à très vite, désolé encore pour cette longue inactivité, ça va reprendre très vite, je ferai beaucoup moins de vidéos forcément, c'est un rythme que je ne peux pas tenir, puisque c'est pas mon métier, mais j'essaierai de faire, on va essayer de tenir 2 ou 3 vidéos par mois, c'est déjà pas mal. Donc j'ai vu aussi que le nombre d'abonnés a pas mal augmenté depuis la dernière fois, ça fait toujours plaisir.
la vidéo sur sur Charlie Hebdo vous a bien plu. C'était un hommage que je voulais rendre aux attentats, donc maintenant c'est clos, on n'en parle plus, hein, mais bon, on a toujours ce drame en tête. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, ça récompense le travail, le montage, etc. Si vous aimez bien, partagez-le avec vos potes, ça fait plaisir, ça me fait faire un petit peu, ça me fait connaître un petit peu auprès d'autres personnes. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous si vous aimez bien ce que je fais. Voilà, donc c'est tout pour moi, j'espère que tout va bien chez vous. Moi ça va super. Merci de votre écoute. Ciao.